Bonsoir à tous, on est sur la chaîne Munir's Web. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban bikum fi qanat Munir's Web. Nouassil, hal, mawadhi, madhsa l'ora al-francia, fi imtihan, shahat al-baccalauréat, dawrat septembre 2020. Hati il-marra, ma'a shu'bat al-lughat al-ajnabiyya. Fadlan, wa laysa amran, naltamisu minkum al-dhagt ala zir al-i'jab wa zir الاشتراك ليصلكم كل جديد. On commence à répondre aux questions. La première question, l'auteur de ce texte est enseignante, une inspectrice ou bien une écrivaine? Recopiez la bonne réponse. La bonne réponse, l'auteur de ce texte est enseignante. C'est une enseignante. La deuxième question, le problème est-il la notation ou ce qu'elle reflète? Par cette phrase, l'auteur veut dire le problème est la notation et non ce qu'elle reflète. Le problème n'est pas la notation, mais ce qu'elle reflète. Recopie la bonne réponse. La bonne réponse, le problème n'est pas la notation, mais ce qu'elle reflète. Par question numéro 2. Relevez dans le texte deux termes et deux expressions qui renvoient au champ lexical de la réussite. Oui. Des termes et des expressions qui renvoient au champ lexical de la réussite. Les termes, on peut accepter compris, acquérir, compréhension, acquis, progresse. Les expressions, on peut accepter. Et le surmonte ses difficultés. Mieux formé, mieux préparé, moins d'échecs scolaires, moins d'échecs scolaires. Oui. La question suivante. Soit les expressions suivantes. Classez-les selon qu'elles renvoient à pour la note, contre la note. Démoralisation des plus faibles contre la note. Évaluation des apprentissages pour la note. Outil de sanction contre la note. Handicap à l'apprentissage contre la note. Facteur de réussite pour la note. Enseignement adapté pour la note. La cinquième question, le redoublement est autorisé pour garantir l'acquisition des compétences nécessaires. Trouvez dans le texte la phrase qui reprend la même idée. La phrase qui reprend la même idée dans le texte, c'est, oui, n'y aurait-il pas moins d'échecs scolaires si les élèves qui n'ont pas acquis la majorité des compétences en fin d'année était maintenu au même niveau l'année suivante. Oui. La question suivante, la sixième question, à qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés dans les énoncés ci-dessous? Nécessaire à leur réussite, leur renvoie aux élèves. Sans notation, il me serait difficile, me renvoie à l'auteur. Faux, pas si elle est argumentée. Elle renvoie à la note. La septième question, d'après l'auteur, les enseignants sont satisfaits de voir leurs élèves réussir. Recopiez à partir du texte la phrase qui le montre. La phrase qui le montre dans le texte, c'est: il ne faut pas oublier que l'objectif premier de notre métier est la réussite de tous nos élèves. Oui, on peut accepter cette phrase. On peut accepter la phrase suivante. Quelle fierté de voir qu'ils apprennent avec plaisir et qu'ils progressent. La question suivante. Oui. N'y aurait-il pas moins d'échecs scolaires si les enseignants étaient mieux formés et mieux préparés à la réalité
du terrain. Dans cette phrase, le conditionnel exprime un regret, une certitude, une éventualité. Recopie la bonne réponse. La bonne réponse, c'est une éventualité. C'est une éventualité. La dernière question, c'est une question synthèse. Beaucoup de personnes pensent que la suppression des notes à l'école peut avoir un impact positif sur la réussite scolaire. Qu'en pensez-vous? يعني الكثير من الأشخاص يعتقدون أن حذف النقاط في المدرسة له أثر إيجابي على النجاح في المدرسة. ما هو رأيك؟ Développez en trois lignes votre point de vue en le justifiant à l'aide d'arguments. يعني أعطينا رأيك وأعطينا رأيك في ثلاث أسطر وبرره بحجج. Concernant la production écrite, le premier sujet, c'est rédiger le compte rendu critique. Le deuxième sujet, c'est une expression libre. Je passe au deuxième sujet. On a un texte historique, oui, intitulé « La mort du colonel Amiouche ». La première question, selon le narrateur, les Moudjahidines ne vivaient pas longtemps durant la guerre de libération nationale. Relevez du texte une phrase qui le montre. La phrase qui le montre dans le texte, c'est « Quand on est en guerre, on s'attend toujours à la mort qui est notre compagne permanente et qui nous suit comme notre ombre. » La deuxième question, on imaginait le colonel si Amirouche, c'est invulnérable. Cet énoncé signifie, on imaginait le colonel si Amirouche, c'est impuissant. On imaginait le colonel si Amirouche, c'est fragile. On imaginait le colonel si Amirouche, c'est invincible. Recopie la bonne réponse. La bonne réponse, c'est... On imaginait le colonel si Amirouche, c'est invincible. La troisième question. Répondez par vrai ou faux. Le journal a confirmé la mort du colonel si Amirouche. Vrai. Le colonel si Amirouche est mort dans un piège. C'est vrai. Le cadavre du colonel si Amirouche est méconnaissable après sa mort. C'est faux. Zapata est mort dans les mémoires. C'est faux. La quatrième question, dans le texte, l'auteur évoque des points communs entre Amirouche et Zapata. Citez-en trois. Il y a une imagine mushtaraka bain Zapata wa si Amirouche dans le texte. Les trois points sont oui, si Amirouche et Zapata sont des révolutionnaire célèbre. C'est le premier point. Le deuxième point, les deux personnages sont morts dans un piège. Le troisième point, c'est que les deux personnages ne sont pas morts dans la mémoire du peuple. La question suivante. Oui. Là, c'est la cinquième question. Soit les expressions suivantes. Classez-les selon les effets produits sur le narrateur. Après l'annonce de la mort du colonel C. Amirouche et après avoir regardé le film. Manquer de défaillir, totalement indifférent. Déambuler sans but, aucune envie d'étudier, c'est après l'annonce de la mort du colonel Amirouche. L'effet extraordinairement sédatif, c'est après avoir regardé le film. La sixième question, à qui ou à quoi renvoie le pronom souligné? Que l'on se refusait à envisager en renvoie. Au narrateur et les autres combattants algériens. Le narrateur
les combattants et le peuple algérien. On remplace le narrateur, les combattants algériens et tout le peuple algérien. Je savais par notre professeur de français, le jeu renvoie au narrateur. Et enfin, était un peu celle de Si Amirouche. Était un peu celle de Si Amirouche, celle dont le texte remplace, oui, celle remplace la cause et la lutte. La lutte et la cause. Donc, la lutte et la cause. Celle remplace la lutte et la cause. La septième question, réécrivez l'énoncé ci-dessous en le complétant par les mots suivants donnés dans le désordre. Figure, mort, immortel, vivant et bouleversé. Oui, on commence. L'annonce de la mort du colonel C. Amirouche a bouleversé le narrateur parce que cette grande figure de la révolution algérienne lui semblait immortelle. Tout comme Zapata, C. Amirouche demeure à jamais vivant dans la mémoire de son peuple. La huitième question, dites en une phrase, quelle est l'intention communicative de l'auteur? L'intention communicative de l'auteur, c'est informative. L'auteur informe le lecteur sur la vie du héros révolutionnaire Si Amirouche. La dernière question, c'est une question de synthèse. Le colonel Si Amirouche est mort, mais personne ne peut tuer sa mémoire ou son exemple. يعني هذا البطل مات ولكن لا أحد يمكنه محو ذكره في ذاكرة الشعوب. Plus de 60 ans après sa mort, dites en deux à trois lignes pourquoi la mémoire de Si Amirouche est toujours vivante dans les cœurs des Algériens. يعني في سطرين أو ثلاث قل لنا لماذا ذاكرة Si Amirouche حية دائما في قلوب كل الجزائريين. هو عبارة عن تعبير قصير في سطرين أو ثلاث. Concernant la production écrite, on a toujours le compte rendu critique et une expression libre. Le موضوع الأول c'est le compte rendu critique ou le موضوع الثاني c'est une expression libre. Je vous remercie, on est arrivé à la fin de cette vidéo. شكرا لكم وكل التوفيق لكل المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا. شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.